ride. Sit down, sit. Bienvenue à la gare centrale de Montréal qui sera notre refuge pour ce soir. Comme je suis pas à plaindre, je suis pas une personne sans abri qui sait pas où est-ce qu'elle va coucher dans 2 semaines. Je vais être chez moi demain. C'est pas la fin du monde. Mais c'est quand même pour te dire que ça prend pas grand-chose. Un budget un peu serré, un avion en retard, quelques dépenses imprévues, des funérailles auxquelles tu tiens à aller, 1 000 $ de pas prévu dans ton budget. Alors j'ai pu rebooker mon billet pour demain. 6h25, classe à faire. Et je suis en train de charger le téléphone à partir de mon ordi qui, heureusement, était chargé à bloc à 100%. Maintenant, on va manger. Ça va sûrement être moins bon que ce à quoi je m'attends, mais c'est le facteur souvenir. C'est pas parce que c'est gourmet, ça, là. C'est bien ordinaire. La sensation que ça te rappelle. C'était une époque très spéciale dans ma vie. Je prenais des médicaments, je prenais des antidépresseurs, des pilules pour dormir. C'était pas facile comme époque. Il y a aussi de très, très bons souvenirs avec des personnes, des amis dans le temps, des soirées inoubliables. Et j'ai des vidéos de ça et à un moment donné, un jour, je ferai des story time parce que oui, les amis, avant que YouTube existe, je faisais déjà des vidéos. Et saviez-vous ce que je faisais avec? J'avais une Sony Handycam. C'était ma première caméra. C'était énorme ce truc! Il fallait que tu changes les cassettes à chaque fois. J'avais des dizaines de cassettes. Une cassette, ça durait 4 heures, genre. Et tu pouvais pas effacer, tu sais, c'était un ruban. En tout cas, c'était compliqué. Ce que je faisais ensuite, c'est que je transférais sur des cassettes VHS qui étaient grosses comme ça, là. Et je faisais du montage. Je mettais de la musique là-dessus, mes amis, avec un lecteur CD et des câbles RCA. Je faisais du montage avec deux VCR avec les manettes. J'avais un play, un record et je faisais du montage vidéo avant, c'est sans software, là, analogue. Et ensuite, je faisais des copies, j'envoyais ça à mes amis à Québec. Quand j'étais à Vancouver, j'envoyais ça à mes amis à Québec par la poste. I'm the YouTube OG, baby. I invented YouTube before it even existed. Et ensuite, j'ai eu d'autres caméras, j'ai eu des Flip Mino. J'adorais mes petites Flip Mino parce que c'était hyper facile à charger. C'était lightweight, c'était facile à transporter, léger. Et ça ne pouvait enregistrer qu'une heure de contenu. Alors, il ne fallait pas que j'enregistre trop de niaiseries. J'enregistrais ce qui était important et essentiel. Alors qu'aujourd'hui, on peut littéralement enregistrer des jours de footage sur un téléphone. Alors, on enregistre un peu tout et n'importe quoi. Et après, on doit faire de l'édition, mais je m'en viens meilleure en édition. Je m'améliore. Je sens que ça va être un long vidéo avec beaucoup de blabla. Ben écoute, j'ai rien à faire pendant 9 heures de temps, donc... Le secret pour réussir un sandwich comme ça, il doit y avoir une bonne quantité de laitue. Ça donne du croquant. Et bien sûr, le fromage, ça doit être du cheddar jaune. C'est ça la maison, les amis. Et oui, je suis encore en train de boire mon café, hein, je vais le finir. Il est encore chaud. Merci au dépanneur de la gare. Grateful. Et regardez, on s'est acheté des cartes postales. Je pensais quand même pas qu'on n'allait pas en acheter. Alors, 2 d'entre vous recevront 1 de ces 4. Hey, you know what? Maybe we could go over there. There's a food court, and I think maybe it would be a little quieter, and there might be comfier seats. Over there.
Maybe I could even like sleep a little. Yeah, I think I'm gonna go explore that area. They're still open. They stayed open later because the train was late. So we're lucky. She's almost gonna close, but I was able to get a green tea. Woo-hoo. Regardez, j'ai trouvé une petite breloque en forme de cœur avec des étoiles. Mais je vais la garder. Ça va me rappeler cette aventure. Oui, on est aux toilettes. Et je suis très reconnaissante d'avoir accès à ces toilettes et à cette salle de bain parce que il y a des gares au Canada qui ne sont pas ouvertes toute la nuit, comme par exemple à Toronto Union Station. On nous met dehors à 22 heures. Et quand j'étais jeune et j'avais 17 ans, j'étais bien naïve, j'ai rencontré trois gars qui, voyant que j'allais coucher dehors devant la gare, m'avaient proposé de dormir dans leur chambre. Et oui, il aurait pu se passer quelque chose de vraiment pas cool, mais ils étaient corrects et j'ai pu dormir. Je me souviens plus si c'était sur un coin de lit ou sur un divan, mais ils n'ont rien fait, ils n'ont rien essayé. Et c'était vraiment gentil de leur part. Mais ouais, j'étais très très naïve à ce moment-là et je faisais confiance à tout le monde. Donc oui, mais j'ai été très très chanceuse. Et non, ce n'est pas la première fois que je dors dans une gare. J'ai déjà dormi ici à Montréal plusieurs fois, à Toronto, à Québec et à Winnipeg. Ah, dommage que ce soit barré, car ils ont de bons fauteuils. C'est toujours là que je m'assois pour prendre un matcha latte ou un chai latte avant de reprendre le train. Mais on va trouver un autre endroit. Je traîne toujours une valise hyper lourde. Et j'ai un thé brûlant dans la main qui tient la caméra. Alors, faut me donner un peu de crédit, les gens. J'espère juste que je me ferai pas chier par un garde de sécurité qui va me dire « T'as pas le droit de t'asseoir là. » Qu'est-ce que ça peut bien déranger que quelqu'un s'assoie sur une chaise pendant la nuit, pendant qu'il y a personne? Alors, rien pas en tout. Alors, tu vois, ben ici, c'est un peu plus relax. Et si je me souviens bien, il y avait même des banquettes au fond. Parce que oui, ça fait longtemps que je traîne par ici. La gare centrale de Montréal, je la connais de fond en comble. J'y ai passé beaucoup de temps. Regarde, on a même un petit comptoir ici. Si j'étais pas si fatiguée, j'aurais pu prendre mon ordinateur et commencer à faire le montage d'une vidéo, mais ça me tente pas pantoute. Et on est tranquillos. Il n'y a pas de banquette par contre. Well, this place used to be open all night, and now the security guard told me I had to get out. So, I'm on the street with all my stuff. Yay! Until 5:30 a.m. I'm gonna try to think if there's some other place that's open all night where I could go. I'm not gonna go to a bar. Let's go, Pancho. Get a move on. Am I gonna have to catch a break at some point? No. You're not. Can you imagine doing that every single day? And some people are 50, 60, 70 years old. No wonder they lose hope. Telle bonne aventure. Est-ce que c'est correct si je te filme? Alors, je suis en compagnie de Maurice, nouvel ami, et devine quoi, un compagnon d'infortune. Lui aussi, il a la même chose, il a manqué un train, et on s'est fait mettre dehors de la gare en même temps. Donc, on est arrivé à l'hôtel parce qu'il y avait des individus louches dehors. On a rentré, on a demandé si on pouvait rester, et on peut rester ici jusqu'à 5h30. Merci, l'hôtel, bonne aventure.
il est 4h45 AM. Et ça va encore. Mon ami Maurice, il est parti faire ses prières car il est musulman. Et à telle heure et telle heure, il prend son tapis de prière. Et je l'entends dire les prières en langue arabe. Je trouve ça cool. Et donc, on est toujours à l'hôtel Bonaventure. Et je suis à veille de pouvoir aller retourner à la gare. Ça ouvre à 5h30. Alors, merci encore de nous avoir permis de rester ici, en sécurité. AM, centre-ville de Montréal. Il fait pas chaud. Légère bruine qui tombe. C'est sûr, j'aurais pu aussi retourner à l'aéroport parce que l'aéroport s'est ouvert 24 heures par jour. Alors, si jamais vous êtes mal pris, je vous conseillerais rester à l'aéroport ou aller à l'aéroport parce que vous allez pouvoir rester là. Au pire, vous trouvez un petit coin, dormez sur un banc et ça finit là. Ou j'aurais pu essayer de trouver un café ouvert 24 heures, un Tim Hortons, quelque chose du genre, mais il y en a de moins en moins. Depuis le COVID, avant à Montréal, il y en avait des cafés 24 heures partout, surtout au centre-ville. Il y avait un McDonald's 24 heures pas loin d'ici, maintenant il ferme à minuit. Il n'y a plus grand-chose d'ouvert toute la nuit. Et un bar, ça ferme à 3 heures et ça aurait nécessité d'endurer de la musique forte, des gens très alcoolisés. Et je me voyais pas dans un bar avec ma valise pendant des heures. Alors, voilà nos options, mais maintenant, j'ai vraiment hâte de me retrouver dans le salon à faire, pouvoir m'asseoir et être à ma place légitime et de pas me sentir comme une intruse et de me faire constamment chasser et de me dire « Devez partir d'ici, vous n'êtes pas la bienvenue. » Parce qu'on se fait sentir comme des citoyens de deuxième classe ou de troisième classe, comme si on n'était pas des vrais êtres humains, comme si on valait moins que les autres, et c'est pas vrai. On ne vaut pas moins parce que, à un moment donné, j'ai pas eu moyen de me payer une chambre d'hôtel à 500$ à Barnac. Regarde la place Ville-Marie avec les flashs en haut. Je sais pas si on peut les voir. Et si vous avez déjà écouté la série Omerta, eh bien, dans la fiction, leur bureau était là-dedans. Regarde! Oui, un sticker post. J'attends impatiemment le 4 septembre où je vais recevoir un paiement Airbnb. Je vais avoir de l'argent dans mon compte de banque et je vais pouvoir me commander des nouveaux stickers chez StickerNot. Et enfin, on va pouvoir recommencer à mettre nos stickers partout au Canada. Asti, il fait vraiment pas chaud là. Quelqu'un qui couche dehors aujourd'hui là, asti qui se les gèle, ça prendrait des gants. Alors, on est de retour où qu'on était hier. Gare centrale. Et voilà notre train. Embarquement dans 25 minutes. Est-ce que j'ai le temps d'aller au salon à faire? Bon, là, vous allez m'excuser. Je vais me permettre de prendre une tasse de thé. Parce que j'ai besoin de thé pour survivre. J'en ai pris juste un hier avec 3 cafés. Et on continuera le café quand on sera rendu dans le train. On va pas exagérer quand même, le monde. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, sur les murs de la gare centrale, il y a les paroles du Haut Canada en français. Alors, j'ai mon billet. Nous ne sommes officiellement plus des squatteurs. Et on s'apprête à aller au salon à faire. C'est un petit peu mieux que les assis dans mais... Qu'est-ce que t'en penses? Un petit peu mieux que le trottoir, ça là. En plus, ça nous a rien coûté cette fois-ci parce que nous sommes de très grands voyageurs ferroviaires et on avait des points préférence. Donc, notre billet était gratuit. Alors, un café tout de suite? Non, on va commencer par un thé vert. Parce que sinon, mon cerveau va exploser. Et ensuite, on se prendrait un café. Ce sera le 4e café de la journée, en guillemets. Regarde une pomme. Ça va être bon pour nous. Ouais. Pomme. Et, C'est un thé
aujourd'hui. On a eu des noirs pour me réveiller, mais non. Trois cafés en 24 heures. Un thé vert au jasmin, ça va faire du bien. Ah, hands free. On est des grands fans de ça, nous autres, de hands free. Toujours un petit côté old school en le train. Full date, rideau de fenêtre. Oups, on faisait fort. Oui, en direct d'une toilette de train. Alors, nous partons de Montréal à 6h25 et nous devrions être à la gare du Palais à Québec à 9h45 AM. Ensuite, je vais prendre un autobus. Je ne peux pas encore prendre un taxi. Là. Je suis capable de prendre l'autobus avec une seule valise jusqu'au traversier. Ensuite, je dois prendre un traversier jusqu'à Lévis. Et après, je verrai si je suis assez en forme pour marcher les 10 minutes jusque chez moi. Ou sinon, je prendrai peut-être un taxi. Et nous devrions arriver chez nous vers
jus d'orange, café, croissant et coupe de feuilles. C'est plutôt complet comme déjeuner. Et il y avait aussi le choix de smoothie et bagel. Avez-vous remarqué que j'en ai des ustensiles comme ça chez moi? On le dira pas trop fort. Et ça fait vraiment bizarre, surtout de me dire que Mary y est à Vancouver et que moi, je suis toute seule ici et j'entends parler français après 2 mois à Vancouver, donc c'est très weird. Et notre parcours n'est pas tout à fait terminé parce qu'il faut encore traverser le fleuve. Quelle température bizarre! On dirait qu'il va pleuvoir et en même temps, il y a le soleil éclatant. Ça, c'est de la température pour arc-en-ciel. Et je suis tranquillement en train d'attendre l'autobus et regarde qu'est-ce qui nous accueille à notre retour en ville! Ben, c'est nos stickers, aussi. Yes! Ça me met toujours de bonne humeur quand je vois un de mes stickers en ville. Alors, nous sommes dans les toilettes du traversier Québec-Lévis. Allô, Allemande! On est finalement rendu, on est presque rendu, regarde chez nous, c'est l'autre bord du fleuve. Ben là, les vitres sont hyper sales, mais ma maison est là, là. Fait qu'il me reste juste à traverser ça. Et regarde, ben, je le montrerai dans une autre vitre, là. Regarde la barge des feux Loto-Québec, comment on va bien les voir à partir de chez nous. On va être aux premières loges, Pancho. Yeah! Mais nous autres, on est des VIP, on est toujours aux premières loges. Ouais, on est comme habitués. Hein? Et sommes-nous malades mentaux à ce point-là, Pancho? Je pense que oui. Let's go! On va finir ce qu'on a commencé. Yeah! On n'est pas les lâcheux, nous autres. Et ce café était pris très modique, regardez. Regardez, toutes les chouettes cafés, même les gourmets, les cappuccinos, sont tous à 2$. Mais c'est pas cher, 2$ pour un cappuccino. Tu vas prendre ça dans un coffee shop, là, ça va coûter 4,50. Let's go. Café numéro 5. Là, excusez, là, je commence à avoir l'air un peu rough, là, parce que j'ai pas eu du skincare, moi, là, hier soir. On a dormi sur un banc. Il se fait 48 heures, j'ai pas dormi, fait que on va me donner un break, s'il vous plaît. Et là, Pancho, t'es toujours frais comme une rose. On va y aller. Ah, tu sais, j'aurais envie de prendre un chocolat chaud. Ça comptera pas, c'est pas un café. Ouais, mais là, on pourrait me donner un break, là. OK, on va te donner un break. Tu peux prendre un chocolat chaud. Merci. Ah! Ça a marché. Ça va être buvable. Oh, c'est extrêmement chaud. Ouh là là, c'est bourreux là. Regardez comme c'est pratique cette petite sleeve en laine. En plus, c'est super stylish. Ça empêche de se brûler quand c'est chaud. Et aussi, c'est pratique quand on a des boissons froides qui sont très froides. Ça empêche de se glacer les mains. Alors, comme vous le constatez, c'est pas le traversier habituel, c'est un remplacement.
très petit et my god, ça brasse là-dessus, surtout quand on était en haut, nous avons descendu 3 étages. Et quand on était en haut complètement, mon gars, là, ça se brassait de même et ça donnait quasiment le mal de mer, moi qui ai passé ma vie sur un traversé. Et j'ai jamais eu le mal de mer de ma vie. Je sais pas si c'est à cause des 5 cafés, du fait qu'on n'a pas dormi depuis 48 heures, qu'on est hyper fatigué, ou que ça aurait fait ça même si on avait été en forme. Aucune idée. Mais, les conditions sont vraiment difficiles. Hein? Chaque condition qui peut rendre notre périple plus difficile est présente. On est presque rendu. Là, il est mieux de pas avoir un problème, là, que genre ma clé fonctionnera pas dans ma serrure. Là. Mais j'arrive chez nous parce que là, je vais faire une crise. À un moment donné, il va falloir que je puisse prendre un break. Destination, mon lit, testi. En passant, c'est sucré en esti. J'aurais peut-être dû prendre un café. Ouais, c'est vraiment dégueu en fait. Là, je vais essayer. Ah ouais, c'est vraiment pas bizarre en fait. Non, c'est ça, on vient de gaspiller 2 piastres. On va rajouter ça à la liste des dépenses imprévues et absolument inutiles qu'on a eu à faire depuis hier. Tally up, please. Le gobelet est cute par exemple, mais j'ai pas d'endroit où le vider. Là. Je pense pas qu'il y ait de toilettes sur ce bateau donc. Ouais, je vais. Désolé. Enfin, Cap à Lévis. On arrive chez nous. Un très long périple, 5000 km. On dirait un bain tourbillon. Ouais, Pancho, c'est pas le moment de plonger. Regardez la barge des artificiers. Les grands feux Loto-Québec, le dernier feu ce soir. Regardez, la grande roue est toujours là. Et là, si j'étais Mazo, je marcherais les 15 minutes jusque chez nous avec ma valise, mais non. Je vais payer 10$ puis je vais prendre un taxi. Regarde le capitaine Bernier qui se tient fièrement sur le Clip Bucket. Première fois que je reviens dans mon quartier sur la rue Saint-Laurent à la traverse depuis le décès de Marcel. Ça va être très bizarre et ça ne sera jamais plus pareil. Alors, vous vous souvenez de la super porte graffiti qu'on avait peinturée juste avant de partir? Je l'ai pas filmée, mais la boîte aux lettres était pleine de choses. Ouf! Et ça, c'est tout le courrier qu'il y avait dans la boîte, y compris les paquets. Donc, il y a énormément de choses. Il y a au moins 20 enveloppes, si ce n'est plus. Regarde-moi ça, c'est absolument débile! Ouf, ça fait vraiment bizarre de revenir ici et il n'y a aucun bruit. Et il n'y a pas de présence, il n'y a pas la présence de Mary qui est toujours là, qui est toujours ici, qui tient toujours autour de moi.
Et mon Dieu, que c'est grand! Qu'il y a de l'espace ici! J'arrive d'un petit studio tout petit où tout est proche et rapproché. Et ici, c'est absolument immense. Je me souvenais pas que c'était grand de même. C'est chez nous, là, mais. Yes! Tu sais, j'avais quand même laissé ça propre. J'avais fait le ménage avant de partir. Et il fait très chaud. Il n'y a pas eu de ventilation. Et le soleil, ça plombe à l'intérieur. Alors, ouvrons. Et là, c'est une douche, une sieste, stat. Et après ça, vous aurez la suite de cette journée dans le prochain vidéo. Ça va à New York?